Ce matin sur la Cano, bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un temps qui est variable, avec averse, une température extérieure qui est relevée à 18 degrés, une température de l'eau relevée à 20 degrés. On est sur une marée qui est en train de monter. Le plein haut est à 10h20, les coefficients sont de 55. Sur ce montant, le vent est onshore, ouest-sud-ouest, un beau fort établi, des rafales à 2. Le plan d'eau est clapot, les phases de vagues sont lisses et on a une houle qui est courte avec 7 secondes de période orientée ouest-sud-ouest à ouest. Une houle qui est multipique, sectionnée, agitée. En nette baisse par rapport à hier soir, il y a un déferlement ce matin régulier à 50 cm et sur les séries 70 cm. Bon, des vagues de qualité moyenne, en pic court qui déferlent en sectionnant, une zone de déferlement désordonnée. C'est praticable en petite comme en grande planche pour les débutants comme pour les confirmés. Personne à l'eau ce matin. Évolution pour le reste de la journée, il y a eu un petit mouvement de houle à la hausse sur la boue Arcachon avec 1m30, 1m40 et 5 secondes. La houle devrait grossir un peu à la mi-journée, se maintenir en soirée avec un vent qui va basculer au nord-ouest et qui devrait se renforcer. On attend à 13h50, 70 à 50, 80. Houle qui passe ouest-nord-ouest à ouest, 7 secondes de période, vent ouest-nord-ouest à 2-3 Beaufort et à 17h, 50, 80 cm, houle ouest-nord-ouest qui s'allonge, 8 secondes de période avec un vent de nord-ouest à 3, voire 4 Beaufort. Ben même si c'est pas le plus folichon, le meilleur créneau me semble a priori être ce matin sur la plaine marée haute. Bonne journée, on se retrouve à 11h30. À tout à l'heure, merci.